Alors, comme promis, je vous fais une petite review à part concernant Gris, parce que ce serait complètement stupide de vous le gâcher si vous comptez jouer à ce jeu, j'insiste, en regardant les 6 streams que j'ai fait pour le couvrir intégralement. Donc, pour éviter de vous le gâcher, tout en sachant à quoi vous attendre, bah voilà la petite review sur laquelle je vais réellement critiquer le jeu. Pour ce qu'il est, sachant que point de vue critique, on va pas avoir grand-chose à émettre, puisque je vais me permettre de le dire tout de suite, c'est du tout bon dans l'état. On a un jeu qui se prétend pas énorme, sa durée est pas gigantesque, mais il va vous procurer en fait une expérience qui est vachement intéressante, très distrayante, et puis qui fait du bien quand on la met en opposition au monde réel et à tout ce qu'on peut voir d'immonde et d'ignoble. Qu'on allume ces étranges appareils du siècle dernier qu'on appelle des télévisions. Et oui, Gris va vous permettre d'échapper à tout ça, et je vais essayer de résumer de manière succincte pourquoi vous avez toutes les raisons de foncer dans ce genre de jeu si c'est l'ambiance qui vous correspond. Alors d'abord, Gris, on l'aime beaucoup, ben, c'est pour son ambiance graphique, hein. C'est une grande réussite. Le style est vraiment... Ça fait tracé par un humain, quoi. On n'est pas dans du précalculé, du rendering, de la connerie comme ça, même s'il y a des utilisations intelligentes de plein de choses. Et du coup, ça fait beaucoup du bien à l'âme, quelque part. Si vous avez des penchants pour l'animation et tout ce qui est rotoscopé, vous allez tout à fait comprendre ce que je cherche à exprimer. Le jeu est très très généreux à ce niveau-là, sans en faire trop, c'est ça qui est assez génial d'ailleurs. Il y a une certaine sobriété qui conserve, et du coup, ben, ça met en valeur l'exploration. Parce que oui, le jeu va vous balader et va vous faire explorer pas mal de choses, et j'y reviens. Le jeu va énormément vous plaire en fait pour sa partie exploration, parce que même si elle est très très linéaire, hein, quand on la résume, elle est faite avec talent. Oui, on peut appeler ça du talent tout simplement, puisque vous ne vous enlacez pas d'avancer dans le jeu pour essayer de voir un petit peu plus loin. Et on va vous mettre des embûches et quelques énigmes à résoudre pour pouvoir ouvrir certains passages, ce qui fait que tout t'es cohérent dans le jeu du début jusqu'à sa fin, quoi. Le truc, c'est que vous n'avez pas l'impression de jouer au sens jeu du terme, vous n'avez pas l'impression de lire un bouquin au sens découverte du terme. Par contre, vous avez l'impression d'avoir votre dessin animé à vous, interactif, où vous faites vraiment ce que vous voulez. Et même si vous ne faites pas tout ce que vous voulez, bah, le peu qu'il y a à faire se révèle suffisamment intéressant pour vous captiver et vous donner envie d'aller voir plus loin. Alors les ambiances, parlons-en. Bah, ce qui est très très intéressant et qui fait vraiment la réussite de ce titre, c'est qu'elle change pas mal au fil de l'exploration. Et ça se limite pas à ça. L'autre chose qui va changer aussi, c'est votre gameplay. Puisque vous allez passer de différentes possibilités à offertes à votre personnage, qui vont évoluer un petit peu au cours de l'aventure, à différents endroits où vous allez carrément changer de forme pour parcourir les niveaux. Et vous allez ainsi, bah, vous balader au travers des éléments et des rencontres avec des grands yeux de môme qui s'ébahissent, quoi. Il n'y a pas d'autre terme pour définir ça. Donc du coup, vous renforcez l'ambiance par des thèmes musicaux qui sont plus qu'appropriés et qui ont été vraiment bien bossés pour faire que ce titre ait toute l'enveloppe nécessaire pour offrir un jeu dépaysant au possible. Effectivement, tout le monde ne peut que s'enthousiasmer, quoi.
Alors, le gameplay, je vais un petit peu m'étaler dessus. Puisque au début, vous allez vous dire, c'est quand même un peu tristoun, un jeu où on fait que avancer et sauter. Et rassurez-vous, il va vachement évoluer au fil de l'aventure. Non seulement parce que vous allez avoir une, deux petites fonctions en plus, ce qui n'est pas énorme, mais vous allez également avoir des possibilités qui sont tantôt liées par rapport à certains éléments, tantôt par rapport à des choses qu'on trouve dans le décor si on fait attention. Et du coup, le jeu prend une dimension souvent inattendue, et quand vous arrivez la première fois à un endroit, vous n'allez pas comprendre réellement ce qui va se passer pour vous. Le petit exemple en vidéo, là, je peux le spoiler, ça coûte pas cher. Là, j'ai pas du tout conscience que cette apparition va disparaître et quand elle aura disparu, je n'aurai plus rien pour escalader. Donc, c'est fait plein de subtilités et de choses qui sont amenées comme ça d'une manière pas lourdingue du tout et vraiment, vraiment très, très agréable. On va quand même parler de la petite chose qui peut fâcher, c'est la durée du jeu. Et en fait, ça, je l'ai dit dans la critique, enfin pas dans la critique, mais dans le run complet, quand on arrive vers le quatrième ou le cinquième épisode, je crois, sur les six, il y a un moment où je m'arrête et j'explique aux gens, bon, ça y est, on arrive à la fin. Le jeu, dans son ensemble, fait environ 4-5 heures. Alors vous me direz, c'est pas énorme. Et moi, je pose la question suivante. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez un jeu qui va s'étaler sur une douzaine d'heures, par exemple? Quitte à user de mécaniques répétitives, voire même souvent en abuser comme c'est le cas généralement. Ou vous préférez quelque chose qui dure 4 heures, mais dans lequel vous allez progressivement passer par différents états, et rien que par le fait de découvrir, vous enrichir, sans une seule minute avoir l'impression de vous répéter ou de faire de la redite. Sur ça, il est vraiment très bien. Il y a un dernier truc sur lequel je ne m'attarderai pas, c'est l'histoire. Et l'histoire, en fait, c'est. Vous connaissez ma préférence pour les softs où il n'y a pas de parole. Et du coup, sur ça, je me suis régalé parce que, en fait, tout est dans la symbolique. Et en fait, il n'est pas très difficile de comprendre ce qui se passe dès qu'on a parcouru, on va dire, 1 heure et demie du jeu. En observant bien, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer, le voir venir, et en fait, le jeu va vous conforter dans cette idée, dans ce qui se passe, dans ce qui s'est passé, et ces tristes choses, parce qu'elles sont un peu tristes quand on les ramène à la réalité, qu'on rencontre dans sa vie. Et sur ça, c'est fait vraiment de manière très très classieuse. Donc voilà pour cette petite chronique que je vous fais à part. Je vous rappelle que. Il va y avoir à partir de ce samedi, alors là vous regarderez bien plus tard ça en 2078, mais bon. En 2018, ce samedi, qui sera donc le. Je vous regarde dans le calendrier. Le 22 décembre 2018, vous aurez la playlist intégrale pour voir le run complet sur ce jeu. Si l'expérience vous dit de tenter par vous-même d'explorer Gris dans son entier. Regardez les deux premiers streams et arrêtez-vous. Tout simplement. Ne regardez pas le troisième, ne regardez pas le quatrième, ça sert à rien. Vous allez vous gâcher les effets de surprise qui sont nécessaires pour vraiment bien apprécier le jeu. Si vous n'avez pas l'intention d'acheter ce jeu, je vous conseille par contre de regarder l'intégralité des streams parce que vous allez vous taper un bon trip. Voilà. Donc, pour le prix qu'il coûte, ce jeu est parfaitement recommandable et tout le monde a raison d'être parfaitement enthousiaste pour ce titre qui en vaut grandement la peine. Je vous fais des bisous, je vous laisse avec les deux playlists habituelles, je vous refais des bisous, je vous dis de prendre soin de vous et de prendre soin des autres comme d'habitude et je vous refais encore des bisous. Allez, à demain 19h, ciao.